Mesdames et messieurs, chers amis, en ce premier dimanche de carême, je suis heureux de vous accueillir en cette cathédrale Notre-Dame de Paris et de vous présenter un nouveau cycle de conférences qui vont nous accompagner jusqu'à la Semaine Sainte. Je salue et je remercie très cordialement les téléspectateurs de KTO Télévision qui nous rejoignent, ainsi que les auditeurs de France Culture, de Radio Notre-Dame et de RCF. Que ces médias soient remerciés de retransmettre nos conférences, permettant ainsi au plus grand nombre d'en bénéficier. Je remercie également les éditions Paroles et Silence, qui assurent fidèlement la publication des textes. L'ouvrage de l'intégrale des conférences sera disponible pour le dimanche des Rameaux. Depuis 1835, les conférences de carême à Notre-Dame de Paris constituent un grand rendez-vous de réflexion sur l'actualité de la foi chrétienne. Lors du synode sur la nouvelle évangélisation en octobre 2012 à Rome, j'avais évoqué, à côté du témoignage de la foi, la pédagogie de la culture. Je visais par là la formation de l'esprit critique, le lien intrinsèque entre la foi chrétienne et la raison, le devoir des chrétiens de déployer l'espérance dans une culture qui se passe de Dieu. Que faire de la culture ? L'interrogation apparaît décisive pour l'évangélisation et dans la mesure où de nombreux chrétiens d'Occident perçoivent la culture de leur temps comme un obstacle à la proclamation de l'Évangile et où d'autre part la culture contemporaine voit parfois le christianisme comme un fait culturel réducteur susceptible d'appauvrir les richesses créatrices de l'homme. C'est la raison pour laquelle les conférences des trois années à venir ont été pensées pour proposer un discernement chrétien sur la culture contemporaine susceptible d'éclairer les tâches de l'évangélisation. En voici les thèmes. 2016, le sens spirituel des cultures. 2017, la vérité du Christ incarné. 2018, la culture, un défi pour l'évangélisation. Le cycle de cette première année sera coordonné par M. Rémy Brague, qui assure aujourd'hui la première conférence. M. Brague, vous êtes né en 1947 à Paris, marié et père de 4 enfants. Après l'école normale supérieure, vous passez l'agrégation de philosophie avant de devenir docteur d'État. Vous vous consacrez à l'enseignement de la philosophie comme professeur en lycée technique, puis comme chercheur au CNRS, enfin comme professeur d'université, à Dijon, à Paris et à Munich. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels je citerai seulement La loi de Dieu et deux plus récents, Modérément moderne en 2014 et Le règne de l'homme en 2015. Vous êtes membre de l'Académie catholique de France et membre de l'Institut, puisque vous avez été élu à l'Académie des sciences morales et politiques. En intitulant votre conférence « Qu'est-ce que la culture ?», vous nous proposez de mettre un peu d'ordre dans le foisonnement d'acceptions qui se rattache au mot de culture. Il s'oppose à la violence barbare, mais aussi à la sauvagerie fruste et à la nature brute. On parle des cultures au pluriel, comme on parlait naguère de civilisation. On prêche le multiculturalisme. Monsieur Brague, nous vous remercions de nous éclairer dans cette forêt obscure. Comme les années précédentes, à l'issue de la conférence, un temps de prière et de méditation vous sera proposé devant le Saint-Sacrement avant l'office des Vêpres à 17h45. Mesdames, Messieurs, chers amis, Votre Éminence, mes Seigneurs, la question de la culture a pris récemment une nouvelle actualité pour tout homme en général et pour les chrétiens en particulier. Une barbarie d'un type inédit ou oublié est apparue. Elle menace quelque chose que nous avons envie d'appeler culture, que nous pensions à la culture ou seulement à notre culture. D'autre part,
il y a le rôle décisif, massif, joué par le christianisme dans la naissance de cette culture qui est la nôtre, évidence que seuls refusent des idéologues formés à nier toute réalité. Mais ceux qui reconnaissent au christianisme son rôle culturel sont tentés de réduire la foi à une culture, et à une culture qui, une fois édifiée, pourrait peut-être démonter l'échafaudage chrétien devenu inutile. Il importe donc, me semble-t-il, de se mettre au clair sur ce que veut dire le mot « culture ». Pour mon titre, j'ai hésité entre « qu'est-ce qu'une culture ?» et « qu'est-ce que la culture ?» Cette hésitation fait partie de mon sujet. Parler d'une culture avec l'article indéfini suppose qu'il y en a, ou peut y en avoir, plusieurs. Dire « la culture » suppose qu'il n'y en a qu'une seule. Aucune des deux possibilités de l'alternative n'est entièrement fausse, car ce n'est pas dans le même sens que l'on emploie le même mot quand on dit qu'il n'y en a qu'une et quand on dit qu'il y en a plusieurs. Nous assistons depuis quelques décennies à une inflation des sens du mot « culture ». Elle me semble avoir deux raisons. D'une part, le mot a franchi la barrière entre la culture des élites et la culture populaire. Il n'est plus réservé au goût d'une élite sociale et intellectuelle. Il désigne aussi la culture populaire, jusqu'en ses aspects les plus quotidiens, les plus régionaux, voire les plus déviants. Il inclut les modes de vie, le folklore et jusqu'au tag. On emploie enfin le mot « culture » au sens d'habitudes en vigueur dans un milieu donné, comme quand on parle de la culture d'entreprise. D'autre part, le mot de « culture » a franchi la frontière située sur l'axe horizontal. Il passe au pluriel. Et l'on parle des cultures au sens de « civilisation ». On ne parle plus guère de la civilisation, qui serait la nôtre, et qui se distinguerait de la sauvagerie des autres. On parle également moins de civilisations au pluriel, ce que l'on faisait encore sans scrupule il y a une cinquantaine d'années. Le mot « culture » s'offre donc comme un substitut commode. Ce terme a également pu accéder au rang de principe explicatif suprême de l'humain. L'opposition de la nature et de la culture est devenue une évidence première. Elle se fait, cette opposition, au profit de la culture, au point que dans certains contextes, nature est devenue presque un gros mot. Prétendre que certaines caractéristiques de l'humain serait naturel et perçu comme carrément offensant. On invente de la sorte un méchant que l'on affuble du nom de biologique et on l'oppose à un gentil qui est le social, lequel est entièrement culturel. On constate enfin un nouvel élargissement du sens avec l'idée de culture générale. On entend par là ce qu'il faut savoir, ce que l'on n'a pas le droit d'ignorer, quelque chose comme un canon. Ce savoir est à la fois minimal et commun, partagé par tous, en deçà des compétences de chacun. Les racines de cette idée plongent loin dans le passé. Elles rappellent, par exemple, l'idée d'honnête homme, chère au XVIIe siècle, capable de s'intéresser à tout, mais sans jamais porter les œillères d'une spécialité. Plus encore, il existe dans le système français une matière scolaire qui porte ce nom. Les concours d'entrée de certaines grandes écoles, notamment les écoles commerciales, comprennent une épreuve dite de culture générale.
Si maintenant j'essaie de me demander ce que c'est que la culture, il est clair qu'il s'agit d'un savoir, puisque cela peut s'apprendre. Mais ce n'est pas n'importe quel savoir. La possession d'une information, aussi exhaustive et précise soit-elle, ne suffit pas. Nous parlons d'un homme cultivé, mais nous le distinguons de l'érudit parqué dans son domaine. Savoir, certes, mais savoir quoi ? Savoir par cœur l'annuaire du téléphone n'est pas de la culture. Le héros du film Rain Man, l'autiste à la mémoire photographique, savait effectivement beaucoup de choses. Des choses très exactes et même très utiles. Mais nous hésiterions à l'appeler cultivé. On peut tirer une indication précieuse d'un autre film, Les dieux sont tombés sur la tête. Il contient une scène dans laquelle le Boschiman constate que la jeune juriste blonde, qui est un crack en informatique, est incapable de lire une piste qui pour lui est très claire. Il en conclut avec surprise et apitoiement qu'elle est parfaitement inculte. La culture consiste en effet à être capable de s'orienter. Cela peut être lire une piste à partir des traces laissées par les animaux ou les hommes. Cela peut être aussi se repérer dans les codes sociaux ou dans les mécanismes de l'économie. Une information n'est appelée culture que dans la mesure où elle constitue un code permettant de se reconnaître comme appartenant à une même entité qu'il est aisé de désigner elle aussi par le mot justement de culture. Auquel cas, il est tentant de montrer que l'idée de culture est idéologique, qu'elle sert de mot de passe à une couche sociale déterminée. Ce fut le cas pour la première incarnation de l'idée de culture avec la paideia des Grecs. Dans les royaumes hellénistiques du Moyen-Orient, elle joua ce rôle. Fréquenter le gymnase et les bains, lire Homère, était un signe de reconnaissance pour l'élite militaire et commerciale grecque, et aussi pour les indigènes, un passeport permettant de grimper l'échelle sociale. Encore faut-il remarquer que ce n'est pas parce qu'une réalité sert à quelque chose qu'elle tire toute sa valeur de cet usage. Homère ou Virgile resterait de grands poètes, même si les cités n'entraînaient aucun avantage social. Le culturel porte donc sur tout ce pourquoi il y a une bonne façon de procéder. Avec la culture, on introduit donc la notion de valeur. Celle-ci n'est pas exclusivement morale, mais aussi, entre autres, esthétique. Un critère utile peut être celui de l'engagement personnel. Ce que je ne fais que savoir ne fait aucune différence pour moi. Certes, le savoir m'aide à prendre des décisions dans la mesure où il me permet de mieux prendre conscience des conséquences de mes actes. Mais ce n'est pas lui qui va me dire quoi décider. Si la médecine me renseigne sur les dangers du tabac, cela ne va pas suffire à me faire arrêter de fumer. Il faut encore que je décide de préférer un certain style de vie, la sécurité bourgeoise, plutôt que l'intensité d'une vie risquée. Ce qui relève de la culture m'oblige ou m'invite à modifier mon comportement. Être cultivé, c'est ne pas se permettre n'importe quoi. Depuis le niveau de la morale la plus sublime, en passant par l'esthétique et en aboutissant au savoir-vivre, voire à l'hygiène. La culture est ce qui permet l'orientation dans le monde. L'orientation n'est pas un simple repérage, car si le repérage
nous permet de savoir où nous sommes, l'orientation nous aide à savoir vers où nous allons. Le repérage nous situe, par exemple, dans un groupe socio-professionnel. Il nous éclaire sur notre appartenance. L'orientation, elle, implique un dynamisme. Elle nous dit par où nous passerons si nous allons dans une direction déterminée. Mais quant à savoir quelle direction nous devrions choisir, eh bien, c'est l'affaire de la culture. Si l'on applique ce critère, une conséquence radicale s'ensuit. Le domaine de ce qui n'est que savoir, la science en particulier, n'appartient pas à la culture. Il n'y a donc pas de culture scientifique. En effet, la science décrit les phénomènes et en cherche les lois. Mais elle ne trouve dans les objets qu'elle étudie aucune trace de valeur. Ce pourquoi elle s'abstient de tout jugement de ce genre. Cette évidence a été mise en lumière dès la fin du XVIIIe siècle par les philosophes Hume et Kant, lorsqu'ils pratiquent une distinction tranchée entre ce qui est et ce qui devrait être, et qu'ils s'interdisent de déduire le second du premier. En clair, ce n'est pas parce que quelque chose se fait qu'elle est bonne. Y aurait-il en revanche une culture littéraire ? Voire, la culture serait-elle seulement littéraire ? Eh bien non, pas non plus. En tout cas, dans la mesure où l'on entendrait par là un savoir. Connaître des poèmes par cœur ou retenir des dates historiques n'est pas plus de la culture que de savoir énoncer une loi physique. La division entre le culturel et ce qui ne l'est pas ne recoupe donc aucunement la division entre scientifique et littéraire. Tout ce qui relève du seul savoir historique est en dehors de la culture. L'histoire littéraire, par exemple, est une pure information. Elle nous apprend que Shakespeare et Cervantes sont morts tous deux en 1616, point à la ligne. En revanche, la stylistique, si elle est appliquée, si elle m'apprend à faire de la langue un bon usage, relève de la culture. L'histoire de l'art, si elle se borne à indiquer les dates des salons, des expositions et des manifestes, n'est pas de la culture. En revanche, savoir dessiner ou peindre, voire simplement savoir distinguer les croûtes des chefs-d'œuvre, voilà de la culture. Ma définition de la culture est ainsi singulièrement étroite. En revanche, elle compense son étroitesse en étant plus large sur un autre plan. Elle englobe en effet tout le domaine à l'intérieur duquel on peut distinguer une bonne et une mauvaise manière de s'y prendre. Et de ce point de vue, les pratiques de la vie quotidienne font tout aussi bien partie de la culture. Ainsi, les formes de politesse et jusqu'à la cuisine. On peut, si l'on y tient, parler de haute et de basse culture, de culture d'élite et de culture populaire. Mais une différence de degré n'est pas une différence de nature. À la limite, et si l'on me permet un sourire, la culture physique mérite vraiment son nom, dans la mesure où elle apprend le droit usage du corps et éventuellement en accroît la beauté et la grâce. En Grèce ancienne, quand on voulait dire de quelqu'un qu'il était totalement inculte, on disait « il ne sait ni lire ni nager ». Aucune culture n'est donc un simple savoir, et toute culture prétend donner une solution aux problèmes éternels, grands ou petits. Comment dire bonjour ? Faut-il tirer la langue ?
mettre la main sur sa poitrine, la mettre sur la poitrine de l'autre, lui serrer la main, et ainsi de suite. Qui faut-il épouser? Comment faut-il préparer les aliments? Comment faut-il les consommer? Comment faut-il parler? C'est toute la morphologie, la syntaxe, les euphémismes. Comment faut-il travailler et échanger les produits du travail, l'économie? Comment éventuellement les donner? Qui plus est, la culture ne concerne pas seulement ce qui se situe à notre propre niveau, à l'intérieur de l'humanité. Elle se demande aussi quelle est la bonne façon d'avoir rapport avec ce que nous dominons, comme la nature et les animaux, et aussi avec ce qui nous domine, comme les dieux ou le dieu. La religion ne se réduit pas à la culture, mais elle est partie intégrante de celle-ci. Il n'y a pas, dans l'histoire, de culture sans religion. Dans toutes les règles que nous fournit la culture, on fabrique du sens, et on le fabrique avec ce qui permet aussi de le fabriquer dans d'autres domaines en se servant de la même matière première. On fait du sens avec de la différence. On peut le voir à propos du langage, qui est le support de tout ce qui est culturel. Le grand linguiste Ferdinand de Saussure, pendant la Première Guerre mondiale, définissait le langage comme, je cite, « une série de différences de sons combinées avec une série de différences d'idées ». Il résumait sa pensée en disant « dans la langue, il n'y a que des différences ». La culture est de la même façon une manière de réduire l'indifférence originelle des choses et d'introduire de la différence. Comment choisir le genre de différence à introduire? Les différences, si je puis dire, sont elles-mêmes très différentes. C'est ici que l'on peut parler de diverses cultures, car on peut donner à la question fondamentale « comment bien vivre ?» des réponses variées. Ce que l'on appelle les valeurs seront différentes ou différemment accentuées selon les cultures. Et les cultures sont des systèmes de différences qui sont eux-mêmes différents. Tous les systèmes de différences se valent-ils? Nous abordons la question épineuse de la valeur relative des différentes cultures. On est actuellement prié de penser que la question est taboue. La vérité obligatoire est que toutes les cultures se valent, que parler de cultures meilleures que d'autres, et donc de cultures qui seraient moins bonnes que d'autres, est non seulement faux, mais nauséabond. Je risquerai une observation qui me permettra en même temps de désamorcer la question. Nous n'hésitons pas à comparer les cultures une fois qu'elles ont disparu, les morts étant toujours plus calmes que les vivants. Pour prendre un seul exemple dans la Grèce classique, nous plaçons Athènes sur un niveau plus élevé que Sparte. Je rappelle pourtant que la guerre du Péloponnèse, qui les a vus s'affronter, s'est terminée par la victoire de Sparte, et que les Athéniens ne se sont pas toujours comportés comme des gentils au sens hollywoodien du terme. Un exemple classique en est le massacre des habitants de l'île de Mélos, tel que le raconte Thucydide, le grand historien, massacre qui a été précédé par les arguments des ambassadeurs d'Athènes, à côté desquels Machiavel aurait l'air d'un enfant de cœur. Quels critères faut-il donc adopter de la valeur d'une culture? Eh bien, je vais suggérer une réponse, mais seulement après un détour. Détour qui me permettra d'éclaircir au passage un point que j'ai laissé obscur.
J'ai dit qu'une culture était un système de règles permettant d'introduire de la différence, de dire que certaines conduites sont bonnes et d'autres moins bonnes. Bien sûr, mais pourquoi appeler cela une culture ? Notre usage actuel du mot vient directement de la traduction latine d'un mot grec auquel j'ai déjà fait allusion et qui est paideia. Cette traduction, qui est l'œuvre de Cicéron, repose sur une image de nature agricole. Culture est au fond le même mot que agriculture. Le mot nous parle encore dans agriculture, pisciculture, viticulture et d'autres formations savantes. Il s'agit dans tous les cas de porter une réalité naturelle à son point d'excellence, dans la mesure où cette excellence sert l'homme. Ce qui suppose que ce point d'excellence n'est pas donné d'emblée, mais doit s'acquérir. Il en est ainsi parce que l'homme lui-même n'est pas achevé quand il naît, ce pourquoi il faut une puériculture. On le voit très bien quand on compare la totale impuissance du nouveau-né à survivre seul à la façon dont le poulain, à peine sorti de la jument, se dresse sur ses pattes et marche. La physiologie confirme cette évidence en faisant observer que les contacts nerveux chez l'homme ne sont pas encore complètement établis à la naissance. Tout se passe comme si tout homme naissait prématuré. Quoi qu'il en soit, le fait est que l'homme est ouvert, à l'intérieur d'un domaine limité, à plusieurs possibilités. Réaliser son humanité est une tâche qui lui est confiée. Concrètement, l'enfant développe ses possibilités dans un cadre social et d'abord au sein d'une famille. Mais nous ne sommes pas pour autant en droit de conclure, comme on le fait souvent un peu vite, que l'homme ne serait rien au départ et qu'il recevrait son humanité de la société, car en ce cas, il faudrait se demander d'où l'humanité vient à la société elle-même, ce qui nous entraînerait dans une régression à l'infini. En tout cas, ce fait très simple rend compte de la pluralité des cultures, puisque l'enfant n'apprend pas à parler en général, mais il absorbe la ou les langues de son entourage. Il en est de même pour les gestes et pour certaines règles de comportement. De la sorte, la culture ne s'oppose pas à la nature. Elle n'en prend pas le contre-pied. Elle se développe dans la direction de la nature en sélectionnant ce que celle-ci a de mieux. Il en est ici comme de l'agriculture, qui a fourni la métaphore fondamentale qui est, comme je l'ai fait remarquer, à l'origine même de l'idée de culture. Le jardinier ne fabrique pas les plantes de son potager. Il confie les semences à la terre qu'il arrose et engraisse au besoin. Il émonde ce qui pousse et en attend la maturité. Il greffe et attend que la greffe prenne. Sur cette façon de prolonger la nature, sans chercher à en prendre le contre-pied, il faut écouter les penseurs du Moyen-Âge. Je vais le faire sur l'exemple d'une notion juridique, celle de loi naturelle. Elle nous est devenue à peu près incompréhensible. Nous comprenons par là, en effet, deux choses dont aucune n'a quoi que ce soit à voir avec le vrai sens de cette notion. La première est la loi de la nature telle que la physique la formule en langage mathématique, par exemple la loi de la chute des corps. La seconde est le comportement des êtres vivants
les uns envers les autres, sur lequel on opère d'ailleurs une seconde réduction à ce qui nous semble le moins humain, en évacuant les comportements altruistes dont témoignent certains animaux, comme les anciens l'avaient déjà observé. À l'issue de cette réduction, on obtient la loi de la jungle, ou la loi selon laquelle les gros poissons mangent les petits quand ils sont vivants et sont mangés par eux quand ils sont morts. Et bien le plus souvent, quand on parle de loi naturelle, on comprend qu'il faudrait se soumettre aux contraintes biologiques, auquel cas on fait deux objections parfaitement sensées. D'une part, une imitation de la nature mènerait au crime. D'autre part, nous possédons les moyens techniques d'intervenir sur les données naturelles et de les modifier dans notre intérêt. Eh bien, que nous disent là-dessus, sur cette notion de loi naturelle, les juristes et philosophes du Moyen Âge? Nous devons les interroger parce que c'est d'eux que nous avons reçu la notion de loi naturelle, qu'ils avaient eux-mêmes hérité de la tradition classique, en particulier des philosophes de l'école stoïcienne. Pour ces penseurs, nature ne veut pas dire les minéraux, les végétaux et les animaux, mais bien la nature de quelque chose, les propriétés qui sont exprimées par la définition de cette réalité. C'est ainsi que la nature du feu est de brûler, la nature d'un arbre est de croître, la nature d'un animal est de se nourrir et de se reproduire, et ainsi de suite. Quelle est alors la nature de l'homme ? On a beau insister sur la mutabilité extrême des institutions humaines, la définition classique de l'homme reste valable, qui y voit un vivant doué de raison. C'est sur la base de cette définition que les médiévaux ont réfléchi sur la loi naturelle. Ils disent que sont naturels deux sortes de comportements, dont chacun correspond à l'une des deux moitiés de la définition être vivant et doué de raison. La raison ayant ici un sens plus large que chez nous, puisqu'elle inclut la liberté. En tant que l'homme est un être vivant, sont naturels pour lui les comportements qui respectent le fonctionnement de l'être vivant. Se nourrir, se défendre contre ce qui menace, se reproduire et autres comportements. En tant qu'il est rationnel et libre, seront naturels chez l'homme les comportements dans lesquels nous nous laissons guider par notre raison. La loi naturelle est donc une loi rationnelle. Saint Thomas d'Aquin observe que, en un certain sens, parler d'un vice contre nature est une tautologie. Tout vice est contre nature, puisqu'il est, fait-il remarquer, contre la raison. Lorsque l'on définit une réalité, la différence spécifique, ici la rationalité chez l'homme, a plus d'importance que le genre prochain, l'animalité, le fait d'être vivant. J'en apprends plus sur l'homme quand on me dit qu'il est raisonnable et libre que quand on se contente de me dire qu'il est un être vivant. Eh bien, dans la culture, il en est de même. La raison informe la vie en édictant des règles qui concernent les dimensions les plus fondamentales de celle-ci, la nourriture, l'agressivité, la sexualité. La culture nous fournit des restrictions alimentaires et la cuisine. Elle nous fournit
la stratégie, mais aussi l'éthique militaire, le code d'honneur du soldat. Elle nous fournit les règles du mariage. Raison et vie s'articulent donc l'une sur l'autre. Eh bien, nous avons dans cette articulation le critère que nous cherchions et dont j'avais retardé la révélation. Ce critère est double. Sera meilleure une culture qui respectera mieux les deux dimensions de l'humain. Car il faut les deux. Il faut la vie, d'une part, il faut la raison et la liberté, d'autre part, et il faut qu'elles s'accordent entre elles. D'une part, si une culture favorise mieux la vie qu'une autre, elle lui est supérieure. Si dans une culture, la raison, sous la forme des institutions, informe la vie de manière à en favoriser l'épanouissement durable, alors que dans une autre culture, les institutions oppriment ou déforment la vie, la première sera supérieure à la seconde. Cette supériorité se montrera de la façon la plus simple en ce qu'elle assurera à la culture supérieure de plus grandes chances de survie. Revenons à notre exemple emprunté à la Grèce ancienne. Le système politique et social de Sparte était fort bien organisé par les lois que l'on attribuait à Lycurgue. Mais ce système demandait des efforts excessifs de la part de la petite élite de citoyens, ceux qui s'appelaient les égaux, lesquels étaient, dès leur enfance, éduqués pour vivre en permanence comme une armée en occupation dans son propre pays. Le système d'Athènes était moins exigeant. En conséquence, la cité d'Athènes a perduré et c'est elle qui nous a légué sa littérature, son architecture, sa philosophie, alors que Sparte a disparu sans guère laisser d'autres traces que la nostalgie d'un monde dorien chez les penseurs d'une certaine droite. Symétriquement, une culture sera meilleure qu'une autre si elle donne toute sa chance à la raison et à la liberté qui distinguent l'homme. Si cette culture ne soumet pas raison et liberté à des puissances extérieures, si elle ne lui assigne pas dès le début un résultat qu'elle sera tenue d'atteindre, si elle lui fait confiance pour qu'elle découvre, à sa façon, selon les circonstances, la bonne solution des problèmes qui se poseront. Ces deux dimensions de l'humain et de la culture qui porte l'humain à sa pleine floraison, ces deux dimensions ne peuvent être défendues que si la vie et la raison-liberté sont toutes deux de bonnes choses. Or, ce sont là des évaluations qui ne vont nullement de soi, voire qui se trouvent, dans notre situation intellectuelle et spirituelle d'aujourd'hui, de plus en plus radicalement mises en question. L'Ancien Testament s'ouvre sur le récit de la création, dans lequel
le Dieu créateur, au sixième jour, porte sur son œuvre un jugement qu'il approuve globalement en déclarant très bon tout ce qui permet et suscite la vie. Quant au Nouveau Testament, dans un passage qui d'ailleurs brode très consciemment sur le début, sur les premiers mots de la Genèse, le Nouveau Testament, disais-je, déclare que au commencement était le Logos, ce que j'ai traduit tout à l'heure paresseusement, mais je crois rigoureusement par raison et liberté. Le Nouveau Testament donc déclare que cette raison était au commencement, qu'elle était au commencement auprès de Dieu, et que c'est elle, ça c'est la suite de l'histoire, qui a enclenché toute l'aventure chrétienne. Eh bien, le message de la Bible, en son unité indissoluble, dans l'unité indissoluble de ces deux versants, est particulièrement précieux, car il nous rassure sur la légitimité de l'humain comme vivant et comme raisonnable. De la sorte, il rend possible et souhaitable l'effort qui porte l'homme à accéder à la culture. Je vous remercie de votre attention.
Seigneur Jésus, nous t'adorons dans le sacrement de ton Eucharistie, par lequel tu te rends présent à ton Église et à l'humanité. Nous reconnaissons dans ce signe la réalité du sacrifice par lequel tu veux offrir à tous les hommes un chemin de salut. Nous reconnaissons dans ce signe l'expression de la mission que tu as accomplie parmi les hommes, d'éclairer leur liberté pour qu'ils puissent choisir de faire la volonté de Dieu et qu'ils se nourrissent de cette volonté. À travers ta vie sur cette terre, à travers les paroles que tu nous as données, nous avons appris à redécouvrir l'intention première par laquelle l'amour de Dieu a suscité le monde et l'homme au cœur de ce monde. Parce que l'humanité, au long des siècles, a pu oublier l'alliance avec Dieu, parce qu'elle a pu se laisser séduire par des modes de vie plus faciles et moins exigeants que les commandements de Dieu. Parce qu'elle a pu oublier l'égale dignité de tout être humain devant le regard de son Créateur. Peu à peu, les repères d'une humanité authentique se sont trouvés brouillés. Parce que le peuple élu lui-même a pu s'éloigner de l'observation de la loi. Parce que la parole vivante en Dieu dès avant l'origine pouvait ne plus être reconnue. Parce que la connaissance de Dieu s'est estompée. La véritable identité de l'homme est devenue problématique. En prenant chair dans notre chair, en prenant corps dans notre histoire, en venant vivre à Nazareth, puis dans l'ensemble de la Judée et de la Galilée, tu as montré à tous les hommes ce que voulait dire être fils. Et tu as indiqué les chemins par lesquels nous pouvons redécouvrir
l'identité du Père que toi seul connais et que toi seul nous révèles. Seigneur Jésus, en ta personne, les hommes ont pu voir qui est le Fils de Dieu. Et en connaissant le Fils de Dieu, ils ont pu reconnaître que Dieu est leur Père. Cette identité paternelle de Dieu à l'égard de l'humanité constitue une lumière indépassable sur la dignité de l'homme. En envoyant son Fils dans le monde, Dieu manifeste qu'il ne veut pas sauver le monde sans la participation des hommes. Non seulement il ne veut pas sauver aucun homme sans que lui-même participe à ce salut par le choix de sa liberté, mais encore il ne veut pas sauver l'humanité sans que des hommes libres choisissent de servir la vie. Ce choix capital par lequel le Dieu de Jésus-Christ se manifeste comme un Dieu unique et sans comparaison. Nous invite, comme le Concile Vatican II l'a rappelé à plusieurs reprises,
à considérer toute l'activité humaine élaborée par la raison de l'homme, éclairée par la lumière de la parole de Dieu, orientée par le choix du service des autres, comme un élément constitutif du salut du monde. Ainsi, rien de ce qui est bon dans l'expérience humaine ne devient étranger à l'œuvre du salut. C'est pourquoi la mission de l'Église à travers les âges a toujours été de s'engager fortement dans la tâche éducative par laquelle se développe l'intelligence de l'homme, sa capacité à comprendre le monde et sa résolution de s'y engager pour en assurer un meilleur développement. Être disciple du Christ et se mettre au service de l'humanité sont une seule et même identité. Seigneur Jésus, toi qui as aimé les tiens qui étaient dans le monde en les aimant jusqu'à l'extrême et jusqu'à donner ta vie pour eux, au moment où nous contemplons ce don de ton amour, nous te prions pour que tu dilates au cœur des chrétiens la volonté d'aimer leurs frères dans la foi et au-delà de leurs frères dans la foi, d'entrer dans le regard d'amour que tu portes sur les hommes et de devenir pour eux des témoins de la miséricorde de Dieu. Tantum ergo sacramentum in illimur cernuis et antiquum documentum novo cedatere tuis restet fide supplementum sensum defectuis.
Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour le mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de ta rédemption, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. Béni soit, Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit, béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit l'Esprit consolateur. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse assomption. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints.